Dernière vidéo de notre voyage en Andalousie, le meilleur pour la fin. La mosquée cathédrale de Cordoba, un chef-d'œuvre de l'art arabo-andalou, d'une incomparable beauté. Cette mosquée, construite sur un édifice chrétien, prend forme en 786. C'est la seule mosquée conservée d'Espagne dans sa structure originale. L'histoire même de la mosquée reflète bien l'harmonie qui régnait à Cordoba, mélangeant le style gothique, baroque et musulman. Composée en deux zones différentes, la cour où se dresse le minaret et l'intérieur, une architecture très sobre rythmée de 854 colonnes colorées faites de pierre et de briques. Dans un décor islamique, c'est ici qu'a eu lieu la première messe chrétienne en 1236, après la reconquête des chrétiens sur les musulmans.
Voici le dôme où le calife venait prier en famille. Fait d'or, d'azulis et de céramique, il a été construit par des artisans byzantins catholiques. Dans la religion musulmane, Allah n'est jamais représenté. Vous trouverez des sourates du Coran écrites sur les murs.